Là, il est pour aller au Sémachot là. Là, j'ai vu qu'ils faisaient ça, les mecs, ils enlevaient les capots et tout. Salut les mecs, bon, on se retrouve aujourd'hui avec le compère, Axel. Comme on vous a parlé, on va passer sur d'autres projets, dont celui qui est devant moi. Ça va être le SAM de... Enfin, c'est le SAM hein, d'ailleurs d'Axel. Celui-ci, on va faire le tour vite fait. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu la bête, vous expliquer la motorisation, ce qu'il va avoir à faire. Comme ça pour plus tard dans le futur, vu qu'on va utiliser, on va faire pas mal de points dessus, moteur, allumage, distrib, pour ceux qui ont le même moteur, comme ça vous savez que plus tard dans la chaîne, au moins il sera présent. Donc ici on a quoi? On a un Samurai 2.95, c'est ça? 95, injection. Donc bon, il est un peu sucé par la vie, mais voilà, c'est rien, et franchement il est nickel. Les mouches, faut arrêter de me casser les couilles là au bout d'un moment. Donc voilà, faire le point. La bâche, on va la garder, on la change, je crois. On la change. On la garde, la voilà, on change. Les jantes, elles sautent. Pare-choc arrière, ça dégage. Là-dedans, s'il vous plaît. Là, on a à la sono, on sait pas si on va la laisser, parce que bon, après, on a peur, on a pas envie d'être sourd. Ici, bon ben, c'est à peu près comme moi. Hein, c'est voilà. Full souris, vous avez compris. Ah, neuf ça. Ouais, franchement neuf. Ça tu l'aurais gardé, on sait jamais. Super cher. Ah, ça vous la reconnaissez celle-là. Je vais la mettre en trophée quelque part celle-là. Donc là pareil, on va faire un peu de carrosserie. Parce que bon bah là, enfin voilà, on va refaire un peu de tôlage. Ouais, fais voir un petit peu au-dessous. Ah ça t'as les sièges. Moi je les ai aussi, je les ai jamais. Je sais même pas où ils se mettent. D'ailleurs, je vais t'en prendre un tout à l'heure pour mettre dans le mien pour voir comment ça, si j'en mets qu'un seul, ce que ça devrait. Chance. Ouais. D'accord. Ah, est-ce que tu m'as dit que les mecs, ils ont percé? Ouais, ils ont essayé de percer pour atteindre la jauge à essence. Qui fonctionne pas. Et ils sont trompés de, d'endroit. Ouais, bah, j'en ai fait des trous, Laurent. Oh, les enculés. Non, mais toi aussi. En fait, les Sam, les mecs, ils sont maltraités à chaque fois. Ta ceinture arrière, ça. Ouais. Qui se prend là. Ouais. Incroyable, je crois que c'était sur les arceaux. Ouais. Parce que moi j'ai qu'un truc qui fait de droite à gauche, tu vois. Ouais, mais il y a l'arceau qui existe aussi, je crois. Donc ouais, l'arrière pareil, on va tout bien refaire. Là on va tout refaire, on va trouver un système, une tôle, ou un peu strié, on va voir comment on va faire. Après, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, la bâche, ça c'est sûr qu'elle va, voilà. L'intérieur de porte, ils sont presque nickel, hein. Franchement, là, c'est dommage. Ouais, l'intérieur, ça va, hein. Franchement, là, c'est un petit peu dommage, mais bon, bon c'est bien. Hein. Là, bon, là, ça a pris le soleil, mais pas grave, on y refera quelque chose. Là, il est, ouais, là, faudra le changer, je pense. On peut plus repeindre ça, ou le décapeur, peut-être. Je crois qu'il faudra que tu mettes un bouton, là, de... Bah, il y est, mais il est dedans. D'accord. Ok, très bien. En haut, belle pièce. Là. Ah, il y a deux, trois là, il y a de la belle pièce. Oula, ça aussi, on connaît. Là aussi, il y a eu quelque chose, hein. Là aussi, il y a eu quelque chose. Bon, bah, la console centrale, c'est marrant parce qu'elle est pas mal aussi, celle d'origine. Moi, je préfère celle-là que la mienne, un peu dégueulasse. J'aurais eu ça, j'aurais pu mieux m'amuser, tu vois. Donc, pas mal. Bon, bah, l'intérieur, ça va, il est pas dégueu. Hein. Il y a juste, on mettra peinture, tapis, LED avant-arrière. Ouais, on a déjà fait le plancher un peu comme on avait fait. Ouais. Voilà, il est pas que ça, ok. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, là, à chaque fois, dès que tu, ouais. Là, s'il va falloir traiter, hein, pour la rouille, un peu, tout ça. Donc, là, ouais, ouais. Après. C'est marrant, les mecs. Ça, c'est, je pense, c'est fait maison. À mon avis, mec, c'est pas loupé, hein. Il a mis des morceaux, là, avant que ça pète. Tu peux y aller. C'est quoi, ce toi? J'ai déjà essayé. Ouais, ça, c'est pas mal. Donc, ouais, ouais, putain. Alors là, on va attaquer le vif du sujet. Alors là, c'est là. Là, il commence à avoir du boulot, les gars. Là, phare LED, bon bah pareil, un phare LED avec les petits... voilà, on fera une vidéo quand ça sera peint et voilà, on regardera un peu tout ça. Et tu peux me lever un peu tout ça. Sympa là, c'est quoi, c'est l'aération? Ouais, c'est pour refroidir le moteur. Ah, c'est ça, pour refroidir le cri, à mon avis. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un beau petit 1,3 litre injection, hein, c'est ça. Donc qu'est-ce qui est prévu pour lui? Dis-moi tout.
il faut qu'on le sorte. Ouais. On fasse tous les joints. Ouais. Donc, il y a une piste de partout, donc on va donc, faire le carter. On va faire les joints carter, les joints des culottes. Tous les poulies. Poulies aussi, ça va être fait. J'ai parce que là, là apparemment, là, celle-ci, elle est pas super en forme, j'ai l'impression. Bon, attends, les courants, on va tous les changer. Ouais. Et on va essayer. Mm. Essayer de mettre le kit direction assistée. Pareil aussi, on aimerait bien essayer de mettre un allumage électronique à voir si. Parce qu'apparemment, c'est quand même sympa pour démarrer, c'est pas mal du tout. Voilà. Là, il y a un petit peu de carrosserie, vous voyez ça. Voilà. En fait, c'est pour ça que les mecs, il faut bien gripper, enfin, mettre du jus là, hein, ici, hein, dans vos charnières. Je vous montrerai, il y a un petit trou, c'est fait exprès. C'est pour pas justement qu'elle grippe les charnières. Et vous voyez là, ça a arraché carrément le montant. Donc ça, on va devoir ressouder, refaire une fixation et on va renforcer peut-être celui de là-bas au passage aussi. Là en gros travail aussi carrosserie, enfin le plus long hein, ça va être celui-là, même s'il y a le snorkel, là je sais pas bien si on va voir, mais là ça a été un peu sucé là, donc du coup on va peut-être essayer de le redresser un petit peu, on va essayer au marteau si on arrive derrière, mais là dans l'idée on va couper hein, comme ça, et on va remettre une tôle et souder, on verra avec le snorkel, quand on le placera, on placera le mien et puis on va voir si vraiment en redressant, voilà, autrement si on est vraiment obligé de tout refaire. Mais après, bon, ça, c'est pas non plus ouf, ouf. Hein. Tous les petits joints, parce que ça, c'est une galère, hein, quand vous les avez pas, les mecs. Ça, c'est vraiment chiant. Là, regardez, il y a même celui-là. Il y a tout, hein. Il y a ceux-là, ceux-là. Franchement, le bas des portes, regardez même pas un petit trou, là. Franchement, il est neuf. Non, non. Dans l'ensemble, il est propre, hein. Franchement, il n'y a pas de... Franchement, ouais. Là, il va falloir qu'on bricole quelque chose, parce qu'il y a des gens mal intentionnés, qui sont venus lui vampiriser, le poste, et en fait, ben voilà, ils sont passés par en haut, les mecs. Encore des bons glands. Comme on peut dire. Mais bon, c'est pas grave, c'est malheureux de voir ça, surtout ici en Corse. C'est inadmissible. Mais bon. Donc voilà, on va s'occuper de ça. Franchement, il s'est eu un bon coup de nettoyage. Aujourd'hui, on va tout démonter. Enlever tous les accastillages, les rétros, les conneries. On va essayer de le foutre à poil le plus possible. Salut les mecs, toujours une coupe de con, hein. Bah ouais, et je dois être rouge un peu de partout. Bon, on a plein l'oignon, on a bien avancé,
En gros, je vais vous expliquer un petit peu parce qu'on n'en parle pas trop, mais il y avait pas mal de peintures à la bombe, d'autocollants à base de paillettes de 1929, de coups de mur intempestifs à recamoufler. Là aussi, il y avait des autocollants en voiture, voilà, c'était un enfer. Là, le plancher, il n'y en avait plus. On a dû en remettre un. Là aussi, en fait, on se dit, ouais, ça va aller, on coupe comme ça. Mon cul, il y a une traverse là, tu vas voir. Quand tu le feras, tu m'en diras des nouvelles. Ça, les ailes, c'est bon. On a mis de l'anti-rouille de partout. On a rebouché les trous un peu qu'il y avait dans tous les sens. Là aussi, là, on a dû ressouder le capot parce que la charnière était arrachée. Ça, pareil. Mettez bien régulièrement du jus dans vos charnières. Ça évitera de vous arracher tout le merdier. Donc voilà. Là c'est le deuxième jour aujourd'hui. Bon là il y avait un trou, tu vois, on l'a bien camouflé. Franchement, mastic aluminium, ça a bien marché. Donc c'était vraiment cool. Là on a commencé, voilà, on a bien dégrossi l'intérieur. Ça va être prêt à peindre dans pas longtemps. Enfin dans pas longtemps, on n'a pas le choix, c'est demain de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà. Du coup, demain, demain matin on fignole le ponçage, on masque. Et demain après-midi pétard, mais malheureusement le temps, je sais pas ce que ça va donner. Là, ça va être de la misère. Donc ouais, là, mais bon, heureusement qu'on était, on était pas mal, on était des quatre là. Franchement, ça envoyait du bois en trois jours ce qu'on arrivait à faire. C'est vraiment cool. Putain, t'as bien rattrapé là. Hein, ah, t'es carrossier toi. Oh. Ouais, bien sûr. Donc non, nickel. Bon allez les mecs, on se trouve demain. Salut les mecs, bon on se retrouve plus tard, beaucoup plus tard même. Alors, je vous explique, j'ai rien filmé parce que le soleil il se couche direct. Pas le temps de prendre la GoPro, bricoler, Surtout qu'on fait ça le week-end. Faut qu'on libère après l'espace la semaine, donc faut pas qu'on traîne. Là je vous explique, vous avez vu un peu, voilà, c'était décousu, ça fait plus cet été qu'on l'a un peu commencé. Les roches sont un peu mélangées, je sais pas trop voilà, où ils sont passés le reste, mais bon, c'est pas grave. Au moins on a vu à peu près à quoi ça ressemblait au début, ce qui est important. Le projet Sahara, donc celui-là, voilà, il est prêt. À l'heure actuelle, il est déjà peint sur le Raptor teintable, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé ça. Sur le mien, il y a aussi le body lift qui a été posé. Plus de 3 conneries à l'intérieur, je vous montrerai ça. Aussi une vidéo, bon, bien sûr sur le body lift, mais une vidéo aussi sur ma config en fait, si vous voulez, la config du 4x4, pneumatique, jumelles, suspension et transmission, parce qu'il y a pas mal de gens qui oublient ça justement, la transmission de à la faire. Je vais, putain, frérot, dimanche matin, pourquoi tu fais le ménage? Après, voilà, le Sahara va avancer très vite par contre, parce que là, à l'heure actuelle, on a tout commandé pour le faire presque. Il manque 2-3 choses, mais il va être vite transformé. On va pouvoir voir aussi par exemple la bâche modulaire de chez Master Forest. On va voir si elle est mieux, moins bien, pareil, identique. Donc ça c'est cool. On a commencé à essayer le mien un peu dans des situations extrêmes. On va dire vraiment extrêmes pour ceux qui ont suivi sur mes stories. C'était un peu chaud. Allez, si je suis chaud, je vous mets un petit extrême maintenant. Voilà, je vous avais prévenu, c'était vraiment chaud, mais tout va bien. Juste une vidange de pont, enfin, des ponts, des boîtes, etc. D'ailleurs, il y a eu un truc, mon gars. Hier, je me dis, ouais, je vais faire la vidange des pots, parce que ça doit être la mayonnaise. Donc, je fais tout nickel. Le pont avant, en resserrant le bouchon, ça sert. Il est rentré dans la coquille de pont. Il était intérieur. Donc là, tu te dis, c'est la merde. Là, tu te dis, tu sais qu'il faut sortir les roues, sortir les cardans, dévisser les trucs, sortir le différentiel pour les récupérer. Alors, je vous l'explique pas, je sais pas comment c'est possible, mais ce type est incroyable. Axel, l'enfant prodige, avec un système d'aimant de je sais pas quoi, il arrive à remettre le bouchon en face du trou, donc de l'intérieur, à enfoncer une clé en force dans ce bouchon, et à le revisser par l'intérieur. Non mais...
Toi, tu y penses. Déjà, tu te dis à 99% de chance, ça marche pas. Et tu mets, je sais pas, gentiment en prenant de la marge, tu mets un mois à le faire. En quelques minutes, c'était réglé. Comme pour la boîte de vitesse. Il a un don, c'est comme ça. Il veut arrêter la mécanique, mais on voit bien que c'est pas possible. C'est pas possible, il est fait pour ça, ce type. Il a quelque chose. En tout cas, ouais, ce type est complètement ouf. Donc voilà, pour les prochaines vidéos, bah écoutez, on va se retrouver, je pense, sur le body lift. Comme ça, on va voir un peu comment ça se monte. Et puis maintenant, je vais créer deux playlists. Si vous voulez les rejoindre, la playlist, vous verrez, il y aura une playlist Sahara, une playlist Maverick. Il y aura deux playlists de créer dessus. Ce sera une playlist pour le Sahara, une playlist pour le Maverick. Vous pourrez retrouver un peu tout ce qu'on va faire dessus, on va faire de la prépa aussi. Gentiment, le Sahara devrait vite avancer, on devrait le voir un peu plus maintenant parce qu'on a tout commandé comme je l'ai dit. Merci, un grand merci d'ailleurs de vous abonner, c'est très important. Et même sur Insta de me suivre, franchement, vous êtes toujours au top, toujours bienveillant. Voilà, non, ça fait plaisir. Moi, il est dimanche, je vais faire un peu d'électricité en 4x4. Il faut que j'installe des nouvelles conneries que je vous montrerai bientôt en story tout à l'heure. Allez mec, ciao.